Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs. Je m'appelle Cissédou, professeur actuellement au lycée Les Garçons 2. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la chimie organique. Donc précisément, on va commencer par les alcools. Donc la chimie organique. On va voir le chapitre numéro 1. On va voir les alcools. Ok. Les aldéhydes. Et les cétones. Donc, on va essayer de diviser ça. Donc, on va faire 31. Les alcools. Donc, certainement, en sixième, vous avez fait des alcools. Ce sont des composés organiques. Ok. Ils fonctionnent aussi d'une façon générale. Donc, les alcools, c'est quoi? Par définition, les alcools, ce sont des composés de formules de composés organiques, on peut dire. De formule générale, c'est NH2N plus 2O. Donc, sa chaîne comporte, ça veut dire le groupement hydroxyle, ça veut dire OH. Ok. On peut aussi les classer en trois catégories ou en trois groupes. Alcool primaire, alcool secondaire et alcool tertiaire. Ok. Maintenant, on va essayer d'écrire, bien évidemment, la définition. Donc, ce sont des composés. Ce sont des composés. Des composés organiques de formule générale CN, donc là CN de formule générale, on a ici CN H2N plus 2O. Il est très important de retenir la formule brute. Ok. Et bien sûr, sa chaîne comporte le groupement hydroxyle, bien sûr, OH. Donc, on peut le noter comme ça, sous forme ROH. Toutes ces formules. Ok. Donc, bien sûr, on va aller directement aux classes d'alcool. Ok. Donc, on peut dire ça, bien sûr, la définition petit a, là, petit b, les classes d'alcool. Donc, avant d'entamer les classes d'alcool, en classe de 6e, certainement, vous avez fait la nomenclature des alcools, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, comment on nomme un alcool, c'est très simple. On enlève le E final, ça, c'est tout simplement un rappel. On enlève le E final de l'alcool, de l'alcal, et on le remplace par le suffixe, bien sûr, ol. Donc, par exemple, le butane, ça c'est l'alcal. Maintenant, alcool, on supprime le E. Donc, on dit le butanol. Ok? On enlève le E et on le remplace par ol. Ok? Donc, là, on va revenir aux classes d'alcool. Donc, on peut les classer en trois catégories ou en trois groupes. N'est-ce pas? L'alcool primaire ou de classe 1. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'un alcool est primaire? Un alcool est primaire, bien sûr, si le carbone fonctionnel, ça veut dire portant le groupement OH, est lié à un seul groupement de carbone. Ça veut dire que là, exemple, on a CH2, CH3. Et là, OH. Donc, le carbone portant le groupement, bien sûr, le groupement fonctionnel OH, ici, il est lié à un seul groupement d'atomes de carbone. Bon, bien évidemment, il y a d'autres professeurs qui disent aussi le carbone fonctionnel, car le carbone fonctionnel est lié à deux groupements d'hydrogène aussi, le
l'alcool est primaire. Okay? Donc là, le nom de l'alcool, on a le propanol. Le propanol, le propanol. Okay? C'est la même chose. Maintenant, l'alcool secondaire de classe 2. Maintenant, quand est-ce qu'on dit que l'alcool est secondaire? Quand le carbone fonctionnel ou le carbone portant le groupement OH, ça veut dire hydroxyle, est lié à deux groupements, deux carbones. Ok? Exemple, là, on peut dire CH3CCH2. Donc là, OH, CH2, par exemple, CH3. Ok? Donc, le carbone fonctionnel qui est là, bien sûr, est lié à deux groupements de le carbone qui est là et là. Ok? Comme je vous l'ai dit l'autre jour, ici aussi, il peut être lié à un seul groupement d'hydrogène ici, là aussi, l'alcool est secondaire. Il dit secondaire. Donc ici, la nomenclature de l'alcool, qu'est-ce qu'on va dire? On dira ici, on va essayer de compter. Donc le comptage ici est important. Ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, le OH est plus proche. Donc ce comptage-là, c'est là qui est bon. 1, 2, 3, 4. Donc le OH est plus proche de là. Donc là, on prend ce comptage-là. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que 4, c'est butane. Au lieu de dire butane, on enlève, comme je vous l'ai dit, le E final de l'alcane et on le remplace par le suffixe, bien sûr, ol. Donc là, on dira le butane de ol. Pourquoi 2? Parce que le groupement hydroxyde qui est là, OH, est sur le carbone numéro 2. C'est clair. Maintenant, l'alcool tertiaire. L'alcool tertiaire ou de classe 3. Quand est-ce qu'on dit que l'alcool tertiaire? Quand le carbone fonctionnel est lié à trois groupements de carbone. Ok? Donc là, on a exemple. CH2, là, on a CH3. Donc, vous voyez clairement que ici, le carbone fonctionnel est lié à 1, 2, 3. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on dit là? On dit là, tout simplement, ici, le contact, donc là, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc ici, on dira de 2-méthyl. 2-méthyl, parce que ça, c'est une ramification. L'effet 106e. 2-méthyl. 2-méthyl. But. Vous voulez dire but. 2-ol, si vous voulez. Ou butane, 2-ol, c'est la même chose. Ok? Donc là, c'est clair. On a trois classes d'alcool. L'alcool peut être primaire, secondaire ou tertiaire. Ok, donc ça c'est clair. Donc, retenez d'abord la formule générale, ça veut dire la formule but, CnH2n plus 2O, et les classes d'alcool. Ok, quand est-ce qu'on dit qu'un alcool est primaire, secondaire, tertiaire, savoir repérer automatiquement un alcool primaire. Maintenant, c'est important quand même de savoir, ici on va mettre petit b, l'obtention l'obtention d'alcool. Comment on peut obtenir un alcool? C'est important. Maintenant, vous savez très bien, l'hydratation d'un arsène conduit bien sûr à un alcool, d'une façon générale. Maintenant, comme vous savez, l'arsène peut être symétrique ou dissymétrique, n'est-ce pas? Alors, vous avez fait ça aussi en 6e, mais c'est tout simplement un petit rappel parce que ça nous aidera bien sûr à résoudre quelques bacs. Ok? Donc, l'hydratation, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ajout de l'eau. Vous voyez, les médecins disent, bien sûr, tu es déshydraté. Déshydraté, ça veut dire que tu manques d'eau. Maintenant, hydraté, ça veut dire augmenter la molécule d'eau. Ok? Donc, l'hydratation dans l'arsène, ok? Vous savez, l'arsène, bien sûr, sa chair comporte une double liaison. Dans l'arsène, conduit à un alcool. Maintenant, on va prendre l'arsène de nous. Par exemple, CH3, CH, double liaison, CH, CH3. Ok? Donc, bien sûr, on a bien sûr le bit de N ici. Ok? Maintenant, ici, on peut aller plus loin, bien sûr. Là,
bien sûr, on peut avoir ce qu'on appelle les configurations de Zuzamate et les configurations de NG7. Ça, c'est après, l'effet 106e. Mais là, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est l'acide tout simplement. Alors, maintenant, plus H2O, maintenant, on aura, bien sûr, en présence de l'acide sulfurique, bien sûr, qui est un catalyseur. Donc, l'acide sulfurique, on peut mettre ça, H2SO4. Il y a un catalyseur qui joue un rôle de catalyseur ici. Maintenant, ça conduit la molécule d'eau, H2O. Il y aura, on peut mettre ça H, OH. Ça veut dire le OH qu'on a ici va se fixer sur l'onde de carbone, soit ici ou ici, c'est la même chose. Et il y aura bien sûr le double tiré qui est là, et bien sûr va se détériorer. Donc là, on aura CH3, ok, CH, lié à OH, CH2, CH3. Bon, c'est la même chose aussi si le groupement OH est là. Ok, c'est la même chose. Ok, donc là, l'hydratation dans l'alcène conduit à l'alcool. Donc, c'est comme ça qu'on obtient les alcools. Cependant, l'alcène peut être dissymétrique. Là, vous avez un alcène qui est symétrique. Ok, maintenant, supposons ici, l'alcène est dissymétrique. Ok, dissymétrique. Donc là, c'est symétrique. Vous voyez, ici, on a deux carbones. Ici, on a deux carbones. Mais supposons que c'est dissymétrique. On prend la même chaîne. Donc là, là. Là, CH, CH2, CH3, plus H2O. Donc attention, d'après bien sûr Markovnikov, on peut avoir deux types d'alcool. L'alcool de classe 1 et l'alcool de classe 2. Parce que ici, il y a deux possibilités en fait pour l'H2O. Il va se décomposer bien sûr en H et OH, d'où la formation de la molécule d'eau d'ailleurs. Là, il peut soit se fixer ici, ou soit se fixer ici. Ok, donc on a deux choix. Donc il est dissymétrique. Donc là, on a deux choix. Soit on a bien sûr là le 1, on peut dire. Donc le CH2 lié à OH, CH2, CH2, CH3. C'est bon? Et là, on peut avoir une autre possibilité. Ça veut dire le groupe OH peut se fixer aussi sur le carbone numéro 2. Numéro 1, numéro 2, 3. 4, ok, il peut aussi se fixer sur le carbone numéro 2. Donc, on aura CH3, oui, bien sûr, CH lié à OH, CH2, CH3. Comme vous le savez, ici, c'est un alcool qui est primaire. Donc, on a ici le buta, non, ici, on a le but de ol, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est un alcool primaire, ici, c'est un alcool secondaire. Mais attention, d'après Markovnikov, bien sûr, là, on aura deux classes d'alcool. Mais le majoritaire et le minoritaire, ici, l'alcool secondaire, ici, est le bien majoritaire. L'alcool primaire est minoritaire. Donc, retenez très bien, mes chers élèves, il faut bien retenir que, bien sûr, l'hydratation dans l'alcène, bien sûr, qui est dissymétrique, conduit à deux classes d'alcool. Donc, qui est possible. Mais la symétrique, ça conduit qu'à une seule classe d'alcool. OK? Donc, là, je pense que c'est clair. OK? C'est clair. Maintenant, on va voir, bien sûr, grand 2. On pourrait quand même prendre aussi l'équation de combustion, mais comme que vous avez fait ça en 6e aussi, ce n'est pas aussi intéressant. Mais c'est important quand même de le savoir. Grand 2, on va voir les aldéhydes et les cétones. Petit a, les aldéhydes. Maintenant, les aldéhydes et les cétones font partie, bien sûr, de la même famille. Ok? Donc, ce sont des composés aussi organiques, de formule générale, bien sûr. C'est NH2NO. Ok? Donc, c'est le groupement carbonique qui est là. Donc, là, c'est la famille des carbonyles. Ok? Donc, de formule générale, donc ce sont des composés. Ce sont des composés organiques. Organiques. De formule générale. CN. Donc là, on est tout en bleu.
CaN H2NO. Et c'est important de savoir la formule brute, la formule générale, c'est important. N'est-ce pas? Quand tu ne sais pas la formule générale, tu ne pourras pas résoudre l'exercice. Dès le début, on te parle de la formule générale. Si tu ne connais pas la formule générale, tu passes en coaching, ça veut dire déterminer. Ça t'aidera parfois à déterminer bien sûr la formule brute. Donc c'est CaNH2NO. Et, mais la nomenclature aussi, bien sûr, vous avez fait sans saisir, on peut aussi faire des rappels. Donc c'est la même, un petit peu la même chose pour l'alcool. Donc qu'est-ce qu'on fait? On allait, bien sûr, le E final de l'alcool, de l'alcane plutôt, le E final de l'alcane, puis on le remplace par AL. Ok? Par exemple, le pentane, on enlève le E final, écrit pentanal, hexanal. Ok, vous avez fait ça. La nomenclature, vous avez fait ça en sixième. Ok, la nomenclature, normalement, un élève de qui fait, bien sûr, la terminale, doit maîtriser quand même, ça c'est le minimum, la nomenclature. Ça, certainement, vous avez fait ça en sixième. Ok, alors, donc, ici, on va donner des exemples, bien sûr. Exemple. On a ici CH3, CH2, C, donc H. Donc c'est comme ça, ça forme en fait. Ça forme, c'est comme ça. R, C, double liaison, H. Donc c'est ici, ça forme. Ok? Donc ici, on a un. Donc on commence par là. Attention, 1, 2, 3. Ok? 3, c'est propane. Propane, normalement. Maintenant, comme que c'est un indice, on va dire propanal. Propanal. Ok, je pense que c'est clair. Ok, donc on peut toujours donner d'autres exemples. Ok, là où la chaîne est ramifiée, donc ok, on peut donner par exemple là, supposons il y avait une ramification ici. Ok, vous aurez le 2 méthyl propanal, etc. Ok, donc petit B, là, l'acétone. Maintenant, attention. L'habitude de dire l'acétone, mais c'est l'acétone, ok? Donc l'acétone aussi, c'est la même écriture, ce sont des composés organiques, les acétones d'une façon générale, ce sont des composés organiques de formule générale CnH2n, c'est la même famille. Mais par contre, ici l'acétone, sa forme, c'est R, C, double liaison, R' si vous voulez, ou R1. Ok? C'est comme ça sa forme. Maintenant, bien sûr, on enlève le E final, bien sûr, de l'alcane, et on le remplace par on. Ok? Butane, on a but 2 on en général. Donc là, but 3. Donc là, on a un exemple. On a CH3, C, double liaison. Comme on sait que le carbone est tétravalent, admet 4 valences, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc là, il n'y a plus rien. CH2, CH3. Donc on a 1, 2, 3, 4. Mais quand on dit 1, 2, 3, donc là c'est plus bon, là c'est plus proche du groupe pas fonctionnel. Donc on a, on dira le but ou le butane, on peut dire but, 1, 2, on, ou butane, 2, on, c'est la même chose. Ok? Donc, retenez très bien, ici, dans la nomenclature, comme je vous l'ai dit, vous avez fait ça en sixième. Vous savez comment nommer maintenant. Ok? Mais là, c'est tout simplement un rappel. L'acétone, bien sûr, l'aldéhyde, bien sûr, on a dit que c'est RC double liaison OH. L'acétone, c'est RC double liaison O, liaison R2. Donc là, vous avez un exemple. On peut donner d'autres exemples, bien sûr, avec des ramifications. Mais je pense que là, on peut bien sûr s'arrêter là pour quand même les exemples. Maintenant, on va voir grand 3. L'oxydation mélangée. Donc, une oxydation mélangée, il faut savoir, c'est tout simplement une transformation chimique au cours de laquelle le squelette, ça veut dire la chaîne squelettique, n'est pas modifiée. C'est une oxydation douce. L'oxydation mélangée est une oxydation douce. Donc l'oxydation mélangée, retenez très bien, mes chers élèves, dans l'alcool primaire, s'oxyde en aldéhyde. L'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique qu'on n'a pas encore fait. Ça veut dire que l'alcool primaire
se transforme en aldéhyde. Aldéhyde se transforme bien sûr en acide carboxylique. Ok. Alcool secondaire s'oxyde, bien sûr, en cétone, et les cétones ne s'oxydent pas. L'alcool tertiaire ne s'oxyde pas, il ne donne rien. Ok. C'est un radial, il ne donne rien. C'est pas comme bien sûr les autres. Ok. Donc, retenez très bien, l'alcool primaire, vous avez trois classes d'alcool qui, bien sûr, qui, les deux qui s'oxydent, l'autre, le troisième ne s'oxyde pas. L'alcool primaire s'oxyde en aldéhyde, l'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique. L'alcool secondaire s'oxyde en quoi? En aldéhyde, en cétone, pardon, et les cétones ne s'oxydent pas, l'alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc là, on va essayer de noter ça. On a l'alcool. L'alcool primaire. Donc là, il s'oxyde. Hein? Là, j'ai abrégé, ça ne veut pas dire que c'est un nom. En aldéhyde. Il se transforme en aldéhyde. En aldéhyde. En aldéhyde. Et l'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique. Acide carboxylique, on verra tout de suite. Carboxylique. Ok? Et la chaîne, elle s'arrête là. Donc l'alcool primaire se transforme en aldéhyde se transforme en acide carboxylique. Donc oxydation ménagique est une oxydation douce, il faut retenir ça. Maintenant l'alcool secondaire, l'alcool secondaire, j'ai mis ça comme ça, chiffrement, ok, s'oxyde en cétone. Et les cétones ne s'oxydent pas. L'alcool tertiaire, on peut ne pas le mettre. C'est pas partie des oxydations. Il ne s'oxyde pas. Ne s'oxyde pas. On peut le mettre. L'alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Lui, c'est un radin, comme je vous l'ai dit, il ne donne absolument rien. Ok? Il ne donne rien. C'est comme, bien sûr, une femme qui ne peut pas donner de bébé. Ok? Donc, l'oxydation mélangée dans l'alcool primaire s'oxyde en aldéhyde. L'aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique. L'oxydation mélangée dans l'alcool secondaire s'oxyde en cétone. Et bien sûr, les cétones ne s'oxydent pas. L'oxydation mélangée dans l'alcool, bien sûr, tertiaire de classe 3. Hein? Parfois, il y a des professeurs qui disent classe 3. Ok? Ou tertiaire, c'est la même chose. Ne s'oxyde pas. Ok? Donc, mes chers élèves, retenez ça très bien. En général, on vous donne ça au baccalauréat. Vous retenez, vous n'avez pas de problème. Vous ne retenez pas, vous passez à côté parce que vous avez l'habitude de passer directement aux exercices sans autant comprendre la leçon. Je rappelle aussi que ça, c'est un condensé de cours, c'est pas le cours. Ça ne peut jamais remplacer. Le cours du professeur, rien ne peut le remplacer. C'est un condensé de cours. Ça vous aidera bien sûr à pouvoir résoudre pas mal de bacs. Mais il faut toujours se référer au cours. Ok. Donc là,